ne sont qualifiés d'office, ne sont sélectionnés d'office que les World Tour, les équipes type Sky, AG2R, Française des Jeux. Nous, on n'est pas sélectionnés d'office, c'est sur invitation. Donc il faut qu'on attende un petit peu de voir si ASO nous renouvelle sa confiance et nous accorde une wildcard pour le Tour de France 2017. Si j'arrive à être dessus, ben, je vais essayer d'être le plus performant possible et puis de montrer le maillot, si on a des leaders désignés, de servir à mes leaders. Et puis ben, si j'ai l'opportunité de me mettre en avant, je le ferai. Ça va être dur. Un Tour de France, c'est pas vraiment facile. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu un bel enchaînement Alpes, Pyrénées, Re-Alpes pour finir. Donc, ouais, ça va être avec pas mal de transferts. Donc, c'est qu'il va y avoir pas mal de sport. Mais bon, après, voilà, il y a 198 coureurs au départ. Les 198 sont logés à la même enseigne. Donc, la plus dure, peut-être pas, mais une des plus dures du Tour 2017, avec l'enchaînement Col du Chat et Grand Colombier. Donc, ouais, ça va être assez compliqué. Et puis, bon, voilà, même si maintenant on arrive dans un cyclisme moderne où il y a on va pas dire une grosse cadenassage, mais un gros cadenassage plutôt du peloton par les grosses équipes. Donc, voilà, le Col du Chat va pas avoir l'effet escompté, je pense. La vraie bataille aura lieu dans le Grand Colombier. Mais bon, le départ, enfin, le début d'étape et les premiers cols vont quand même fatiguer l'organisme et vont peser dans la montée finale. Le Tour de France, c'est quand même la troisième épreuve la plus suivie au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Donc forcément, heureusement que les petites communes qu'on traverse font passer cet événement comme un événement prioritaire. Enfin, heureusement, c'est tout à leur honneur et ça ne peut que leur servir. C'est vrai que nous, d'un point de vue sportif, on ne voit pas trop cette autour Tour de France. En fait, nous, on est cantonné à la route et à quelques mètres sur le bord des routes où on voit le public. Effectivement, quand on traverse des petites communes, enfin, ça commence à être de belles communes, des villes comme Nantua ou autres. Il y a souvent des choses de mise en place et voilà, il y a un engouement général autour du tour qui fait plaisir et qui est vraiment particulier. Enfin, une petite anecdote, depuis qu'on a récupéré les oreillettes, il n'y a que sur le Tour de France où on met les oreillettes à fond et qu'il y a des fois des moments où on ne les entend pas. Voilà, c'est particulier. Mon premier Tour de France, la première étape de mon premier Tour de France, j'ai eu l'impression d'être dans un stade de foot pendant 150 km. Il y a trois rangées de spectateurs pendant 100, enfin, plus 190 km. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Enfin, c'est à vivre une fois dans une carrière.